Alors l'INERIS, c'est quoi ? INERIS, l'endroit où je travaille. C'est un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. Dans tout ce qui est la maîtrise des risques. Un institut technique. Voilà. Qui travaille sous les risques industriels. La sécurité. Au niveau national, international. C'est l'ADN de l'INERIS. Eau, air, feu, sol. C'est 500 personnes passionnées de leur activité et puis de tout ce qui touche à la partie risque. Pour répondre au mieux aux attentes de ceux qui ont besoin qu'on les aide sur cette thématique des risques. La sécurité, c'est notre métier. Tester. Évaluer, prévenir, maîtriser. Voilà, c'est ça. Accompagner aussi. Accompagner des décideurs. Apporter notre expertise. C'est vraiment ce qu'on fait. On a une activité qui est séparée en trois parties. Travailler pour le ministère. Pour les industriels. Et la recherche scientifique. Un triptyque. Oui. Ce qui fait le socle de l'INERIS, c'est sa recherche. Ça fait aussi partie de notre culture. Culture de l'intérêt général. Ça, c'est important. La transparence. Quelque chose d'indépendant. Ça plaît ou ça plaît pas. Complètement impartial. On a un devoir. D'aller rechercher la vérité scientifique. J'apprends en permanence. Connaissance, compétence. C'est l'ADN. Être professionnel. C'est ça. Il y a de l'éthique. Analyse, recherche, science. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice. On n'est pas tout seul. C'est super plaisant. Connaître l'industrie. Son efficacité. Ce qui se passe à l'intérieur et ce qui va en sortir et tout ce qui peut être émis. Il faut s'adapter. Dans cette chaîne-là. On a plusieurs plateformes d'essai. On mène des études. C'est étendu. C'est assez unique. On analyse. Index, explosion, plusieurs méthodes. Plusieurs laboratoires. Zone pyrotechnique. C'est très diversifié. Plus réaliste. Ça, c'est des gros moyens. Des moyens expérimentaux. Il y a l'animalerie. À une échelle grandeur nature. On peut faire rouler un camion. À minima, une voiture. Il y a également les mésocosmes. Les mésocosmes. Des rivières artificielles. Un écosystème. Pour les essais de toxicologie. Dans l'eau, dans l'air. Des gaz, vapeur, poussière, etc. Substances. On a des installations, des capteurs. De surveillance sismique qui permettent d'écouter les mouvements du sol. Qualité de l'air. De mieux les modéliser, c'est ce qui fait un peu sa force. À la prédiction, à la prévention. On a des modèles pour mieux représenter la réalité. Oui, je pense que c'est un plus et il faut garder ça. Produire de la bonne donnée, c'est important. Ce qui fait notre force, c'est donner une information. C'est sur ça que repose l'analyse derrière. Un outil qui va pouvoir être utilisé par la suite. Qui nous permet des prévisions. D'évaluer plus vite le déroulement d'un phénomène. Les vents, la pluie. Simuler ce qui se passe sur les tremblements de terre. Donc c'est utiliser un petit peu l'intelligence artificielle. Sur des métamodèles. On a une responsabilité sur la qualité des données. On a un accident. C'est un risque. Connu. Il y a toujours un risque. Une dispersion toxique. Des cavités souterraines. Un risque chimique. Une explosion. Une situation d'urgence. Parfois violent. Il y a les causes classiques. Un danger. Et puis, c'est vrai qu'il y a des risques émergents. Autour de la méthanisation. L'hydrogène. La géothermie. Les batteries. C'est pas juste dire c'est bon ou c'est pas bon. Derrière, il y a quand même un engagement. Oui. Anticiper. Prévenir. C'est vérifier. Un phénomène. C'est réduire les risques. Protéger les gens. Et l'environnement. Étudier, vérifier et communiquer ensuite. L'avenir pour l'INERIS. L'évolution. C'est... Les nouvelles technologies. Trouver les nouveaux enjeux. Il y a plein de projets. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. L'économie circulaire. Nouveaux matériels, nouvelles connaissances. Il y a des tas de risques qui vont émerger. Il y a des tas de connaissances encore à acquérir. Des choses un peu innovantes. Transition énergétique. Il y a des tas de travaux à mener. Ça nous oblige à connaître tous ces sujets-là, oui. D'être à jour sur les connaissances. Et l'idée, c'est de répondre rapidement. Même moi, avec mon expérience, mais je me pose toujours des questions. Voilà.